Et à saluer tous les amis, moi, tous les camarades, je vais faire vidéo là, ça, vidéo ça comporte quelques éléments de clarification, ce qui a très bien entendu à ma position dans le cadre de lutte qui a mené, en Haïti. Écoutez, nous sommes capables de dire que un effort de clarification que m'a fait pour quelques incrédules téméraires qui est cap insister sur le fait que je ne sais pas si c'est par la peur mais cap insister pour buy mon label pour taxer mon de PHTK ou bien par souci pour être capable réduire quelques esprits libres au silence. Tu me dis un petit bagage, moi clarifier quelques points pour aussi de monde. Et m'a fait ça de façon claire et simple. Et pour pile monde qui va comprendre dans lutte là qu'a fait journée jodi grand pile zami qui relen qui dit bon Lavoisier nous t'a remet qu'on est position parce que de temps en temps vous avez des critiques par rapport avec leadership opposition. C'est bien intéressant que nous gagne des critiques par rapport à leadership opposition, c'est-à-dire que leadership opposition qu'a mené lutte opposition par rapport avec le régime en place dans le pouvoir PHTK, ben c'est que l'extrêmement important pour ne pas faire amalgame. Pour ne pas faire amalgame entre lutte peuple et lutte combat opposition. C'est deux choses complètement différentes. Il y a une tentative de récupération de la cause juste du peuple haïtien par une frange de l'élite haïtienne qui inscrit en dedans une structure que yo nommé yo relé opposition haïtienne. Et journée jodi an, ils sont voués à l'échec. Maintenant, bilan tellement clair que journée aujourd'hui, tout le monde a interrogé, bien entendu, sur le bien fondé de la lutte de la, du peuple haïtien. Moi-même, en tant qu'un penseur qui libre, et j'ai mes prises de position claires, il est avéré que journée aujourd'hui, on est capable de remettre en question, j'ai toujours mes prises de position et mes convictions par rapport à, avec, bien entendu, le régime PHTK. Il est évident que, et pour ceux qui a trait avec l'argent que Petro-Caribe a quitté dilapidé, mais ce n'est pas du tout le seul dossier que nous sommes capables de mettre en évidence par rapport à la crise haïtienne que le pays a traversé actuellement là. Nous avons aussi le dossier de ce génère, nous avons aussi le dossier de l'ONA, nous avons le dossier coopératif, nous avons tant de dossiers qui, journée et jour, a dossier Petro-Caribe a occulté. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'il n'y a pas une crise de justice en Haïti? Bien sûr, il y a une crise de justice en Haïti. La justice haïtienne n'est pas indépendante. Il est évident que journée aujourd'hui que le président en place, Jovenel Moïse, utilisait toutes les ressources nécessaires qu'il a à disposition, bien entendu, pour le contrecarrer, pour le faire obstruction à la justice, à ce qui a trait, bien sûr, avec question procès Petro-Caribe. Ça, on n'a pas aucun doute là-dedans. C'est évident. On n'a pas à sortir de là. Mais maintenant, il faut être honnête et clair, il faut être sincère. Moi-même, ou pas qu'à mener une bataille pour pas honnête, pour pas sincère. Qui côté bataille peuple haïtien maintenant? Que réclame le peuple haïtien? Qui ça peuple haïtien voulait? Alors, pendant quelques temps, à travers une série de postes, nous taxons bien entendu que l'opposition haïtienne de bourgeoisie. Nous taxons de bourgeoise, pour quelle raison? Parce que la manière dont l'opposition haïtienne a mené la lutte populaire, est complètement bourgeoise. La raison pour laquelle, c'est que mais montrer par A plus B à travers une démonstration que je me suis faite pour montrer comportement et leadership opposition. Comment Negio, ce sont des hommes qui ont des comportements bourgeois dans la manière de faire, dans l'attitude, dans l'opposition. Nous venons remarquer que je vous dis, ces individus-là, le leadership de l'opposition, ils ont fait du tort au peuple haïtien. Par récupération de la lutte, des revendications du peuple haïtien, ils font tort. On tort avec peuple haïtien. Maintenant, il y a mon cap dit que, oh, écoutez, Lavoisier, prise de position, moi, quelques individus et quelques qui gagnent zèle au niveau de réseaux sociaux qui pensaient qu'ils ont porté à tête pour être capables d'attaquer. Ben, écoutez, vous avez tout le droit, on est en démocratie. Au contraire, on est en démocratie virtuelle. La preuve, on est au grand clavier dans le monde. Et vous avez un account, un account sur Facebook. Et peut-être qu'on doit avoir une amitié. Bon, moi, on fait une request, m'accepte tout. Maintenant, vous avez accès, bien entendu, avec mes prises de position. Maintenant,
tenter pour ouais, soit jouer sous prise de position pour faire comprendre que, bon, écoutez, position la voix n'est pas aussi claire. Ça, c'est l'autre bagaille. Maintenant, ou que doit prendre position qu'on pas comprendre. C'est pour empêcher que ce pas comprendre. Maintenant, s'il y a nécessité pour moi clarifier sous position par rapport à position, je n'ai aucun problème. Maintenant, l'enjeu qui est de taille, c'est que nous avons vu retrouver notre proposition, que nous avons antigé un peu par rapport à cette prise de position, parce que je commence à critiquer de façon extrêmement dure et leadership proposition. Faites attention. Je ne suis pas imbécile. Je ne suis pas opposition. L'opposition haïtienne, c'est le. Ça, c'est ma définition de l'opposition. L'opposition haïtienne, c'est l'opposition du. C'est le peuple haïtien face à un système. Ma définition claire de l'opposition. Maintenant, cette approche bourgeoise qui consiste à regrouper tête en dedans une structure. Ok, et puis qui prend cap diriger leadership position, ça c'est bêtise. Première position à travers une structure que dit que Caribéa. Si pour qu'il y ait une transition, si Jovenel t'allait, j'exigeais bien sûr le départ du président Jovenel. D'autre part, m'estimer que j'ai décidé à travers prise de position que bien sûr, le nouveau gouvernement qui t'a pas formé après le président Jovenel, c'est de nouvelles têtes, c'est mon neuf, de 109 seulement qui pouvait la donne. Pour quelle raison? Avec la nécessité de mettre en place une nouvelle société qui fondait sur ce qu'on appelle. Maintenant, il y a un qui a un problème avec parce que je vais utiliser la notion de justice sociale. Parce que je m'étudie. C'est une notion bourgeoise. Pas dans une justice sociale, parce que justice sociale, c'est une notion bourgeoise, parce qu'il faut questionner l'inégalité sociale, à savoir par rapport à faire une généalogie des inégalités sociales. L'inégalité sociale ne va pas tomber dans le ciel, les inégalités sociales, il y a un côté au sorti. Maintenant, mal attaqué en surface, je vais chiter à vous et mon des inégalités sociales, pas de matata, les inégalités. Malé m'a dit que il faut que nous entrions en profondeur pour aller chercher les vraies raisons, les racines, les causes profondes des inégalités sociales. Me proposer pour une justice économique. Juste de temps par rapport à notre histoire, le peuple haïtien a été victime de catégorie, victime économique par rapport à un groupe social, une catégorie d'individus qui se sont accaparés, bien entendu, de toute sa relais économie haïtienne. Et ils ont quitté le peuple haïtien hein, de la crasse, de la misère, parce que ils ont accaparé qui fait de sa relais production. C'est tellement vrai. Nous pas qu'à nier là. C'est un fait. Et les données historiques sont aussi évidentes. Ils ont la clé, de tout le monde pour démontrer que le peuple haïtien justice économique ça que depuis toute l'histoire pays d'Haïti. Maintenant cette catégorie là moi-même je ne vais pas entrer dans le discours qui consiste à parler social. Non, je m'en fous complètement. Je suis dans la logique de justice économique. C'est un programme politique qui consiste à corriger les injustices économiques. Injustice économique, c'est pour raison ça yo que m'vini avec prise de position qui consisterait bien entendu à chavirer le système. Maintenant, il y a mon qui prend une position avec par rapport au coup pour chavirer le système. Comment on pourrait le faire pour chavirer le système? Chavirer le système, c'est un bagage qui est aussi simple que bonjour. Maintenant, on va pas rentrer dans la logique de la sphère politique qui consiste à dire qu'il y a l'opposition d'un côté, l'opposition politique haïtienne de côté et puis le pouvoir à l'autre côté. C'est une fausse, c'est ça me bac à peu dire, c'est une lueur, c'est une illusion. Vraie opposition qui existe dans un système d'opposition. C'est ça la contradiction. C'est pas un petit groupe d'individus que y aurait les têtes.
C'est pour un petit groupe d'individus qui relaient les têtes au secteur démocratique, mais excusez pour rupture là, on m'a obligé de déplacer pour me faire vidéo. Et pour un mieux. Maintenant, il faut comprendre que l'enjeu est de taille. Pour qui raison l'enjeu est de taille? Le fait que, ou pas qu'à comprendre, pour mettre, on est à l'école ou formé, en pile jeune garçon à l'école ou formé, pour penser que nous sommes des individus, des jeunes ou jeunesse, qui sont aussi conscients de l'état situation, de système pesé sous CIA, pour penser que des hommes, des jeunes intellectuels, pour le marché, des individus de la. Des individus de l'opposition, qui aussi imbéciles que idiots, pour qu'à comprendre, pour qu'à confondre cause peuple avec cause opposition. C'est deux causes complètement différentes. Cause peuple là, sont évidentes. Sont cause côté que jeune garçon, jeune femme, petit peuple là, pas qu'à manger, petit peuple là, pas qu'à l'école, petit peuple là, pas qu'à jeune et sans dans la crasse, misère, combien moun nos pauvres taux de pauvreté, a, c'est un bagage extraordinaire, moun nos bagages de travail. C'est ça le peuple, la cause du peuple. Maintenant, cette revendication, les revendications populaires du peuple haïtien, qui ont minorité de corrélé opposition, leadership opposition, qui récupère de la cause du peuple haïtien, la vraie opposition, qui est la, le peuple haïtien, qui est la vraie opposition, ils ont récupéré de cette capable de défendre leur propre intérêt, leur mesquin. Et la preuve en est aujourd'hui, hein, l'attitude, bien entendu, des leaders de l'opposition, montrer que ce sont des mercenaires politiques. Politique. Premier monde qui trahit, c'est pas ni Jovenel Moïse, ni whatever, je ne suis pas. Vous n'avez pas le courage, moi. Commencer, ouais, que ce sont ces hommes-là, ils ont trahi à cause. Premièrement, pour qui réseau trahi, ils ont convaincu noir sur blanc que le Patapka aboutit avec un résultat positif pour le peuple-là. Ils ont connaît mieux que le Patapka a un résultat parce que ce sont des charlatans, ce sont des mécaniciens, ils n'ont pas vraiment des hommes solides qui connaissent comment pour la bataille. Ce soit paritus, qu'ils ont des intérêts mesquins. C'est jour et jour à tout le monde n'a pas prendre que et Yuri la tortue, non, on a, il te gagne l'argent, il prête non, on a. Alors qu'on n'y a pas dit que bataille Yuri a mené, hein, son bataille qui est sans intérêt. Bien sûr, il y a intérêt mesquin là-dedans. Bien sûr, il y a intérêt mesquin là-dedans. La défendre. Qu'on y a, les bagailles arrivées, tout le monde ouvre à nu que Dieu en soi, il y a des intérêts cachés, mais le peuple haïtien comme instrument pour le capable de régler causes qui ont intérêt, qui ont des enjeux économiques là-dedans. Tout le monde commence à rendre compte que journée aujourd'hui à Dimitri Vob qui a mené bataille, qui a proposé peuple, c'est destin peuple, c'est bataille peuple qui a mené. Tout le monde rend compte que Dimitri Vob avait des intérêts mesquins cachés par rapport avec dossier ce général-là. Maintenant, vous voulez me comprendre? Un individu qui a l'école, qui forme et qui éduque, qu'on a venu comprendre pour venir confondre bataille pour le peuple là, la bataille du peuple haïtien, un peuple qui a couvé chaque jour avec un petit groupe d'individus, des accapareurs et des opportunistes de l'opposition, ou pour le prendre pour comprendre, pour mélanger opposition populaire là avec opposition institutionnelle là. C'est forme d'affou, dernier classe pour me faire la différence. Ou bien pour ne pas décanter entre ces deux intérêts-là, l'intérêt du peuple haïtien et l'intérêt de l'opposition haïtienne. Maintenant, vous avez une équipe individu, on sait des petits comportements militants qui pas même capable de produire une réflexion critique solide. Vous pensez qu'il y a un monde qui a l'école qui forme et qui éduque, vous pouvez faire un monde marcher des détroits sans ave, des détroits qui vagabonds, qui pas même capable de résultat, qui pas comme comment pour la bataille, qui pas capable valoriser l'opinion du monde. Et là, on moun ba yon opinion, ou mieux ba yon prise de position, partager en consultation avec yo, et puis comprendre que gen des jeunes garçons, d'autres jeunes garçons, qui ont des prises de position, et puis on pense qu'on va le marché des individus, tant que Yuri Latoti, tant que comment yon et ce type-là, et André Michel. Comme si pour on est tant que, pour jeunes garçons qu'on est qui forment et qui éduquent à l'étranger, pour ta journée aujourd'hui, pour ta vine quitter Yuri Latorti, pour ta vine quitter André Michel, pour ta vine quitter Majorie Michel, pour ta vine quitter Deradio Sel Simon, pour ta vine quitter ces renards de la classe politique traditionnelle, vina mener à la bataille
tant qu'on tant qu'on brebis égaré pour aller lago dans fournaise, puis aller lago dans fou pour y aller tuyo. Eh bien, ce sont des imbéciles. Ou mettre tourner l'école, ou mettre le chita encore pour apprendre l'esprit critique. On y a des trois individus qui comprennent pour venir comprendre qu'ils ont intimidé. Ils ont intimidé des hommes, des jeunes garçons qui prennent des positions contraires par rapport à l'opposition. Tout d'abord, il ne faut pas amalgamer. Ma prédit nous ça. Et ma prédit encore. Le peuple haïtien, dans ses revendications, il est clair. Il y a un seul bagage en face. C'est le système qui est en face. Et c'est ça que fait journée aujourd'hui. On a remarqué que dans le discours officiel de l'opposition, officiel, l'opposition, tête mettre dame, nous ne voyons pas utiliser Moyorele Tabula Rasa. Bon raison pour ça. Ils ont retiré complètement le concept, la notion de Tabula Rasa. La raison pour laquelle, parce que normalement, ces individus-là, ils ont des intérêts dans le système. Ils ont des intérêts dans le système. Ils ont parlé de Tabula Rasa. Pour qui raison? Qui intérêt ils ont pour dans Tabula Rasa? Parce que yon tellement a perdu dans la notion, dans la question Tabula Rasa, que yon pas d'accord. Et, m'a dit bien, pour qui raison, m'a fait plusieurs vidéos pour montrer que ces individus-là, ils sont très dangereux. Pour qui raison yon dangereux? Yon dangereux, un, parce que ce ne sont pas des individus qui vraiment care pour peuple haïtien. Yon là pour yon capitaliser sur revendication peuple haïtien. Moi, je connais ces vieux rats, m'te qu'on habitué bataille avec yon. Je connais les vieilles pratiques. Je connais les vieilles méthodes. Nous connaissons comment yo. Ce sont des individus qui parlent la jeunesse haïtienne émancipée. Yo parlent la jeunesse haïtienne non prend droit li pour défendre tête li. Yo parlent la jeunesse haïtienne non camper comme un seul homme contre le système pour peser. Parce que c'est vieux rat. C'est corrompu jusqu'aux os. Yo getan gen intérêt yo. Yo getan yo tellement code yo code nombre yo marié avec système corrompu. Vous avez des hommes tant que Reginald Boulos maintenant qui se veut livrer passer tête comme sauveur. Yo ingénieur ne construit système non. C'est un ingénieur ne mette système baiser sous ça en place. Maintenant Reginald Boulos voudra a parler de justice sociale. C'est bien, c'est intéressant pour Reginald Boulos a parler de justice sociale. Mais mande Reginald Boulos pour qui ça va parler de justice économique. Pour qui ça va parler de justice économique, sachant pertinemment que racine profonde et inégalité sociale yo, qui existe dans le pays d'Haïti, hein, li prend racine dans injustice économique, mauvaise accaparation qui fait de terre paysan, de richesse paysan, contrôle qui fait sur économique là, pour contrôler masse peuple là. Maintenant, je vous dis, vous avez ces chenapans, bien entendu, de l'opposition, avec l'opposition, qui comprend, oui, maintenant, si vous n'êtes pas sous un discours critique, sous une position critique par rapport avec l'opposition haïtienne, vous êtes un pro-PHTK. Imbécile, idiot que vous êtes. C'est de l'ineptie absurde, totale. C'est une absurdité totale. C'est pas parce qu'on projette une critique, ou bien un regard critique par rapport avec Jean-Nègre Ménon-Lutte, ou font radiographie de opposition non dans manière y a mené bataille avec du conson propre HTK. Non, c'est un homme solide parce que vous avez votre liberté de penser ou prenez un recul par rapport avec Jean-Luc Lapmené et vous pensez que maintenant journée aujourd'hui à l'intérieur même de l'opposition, il y avait des hommes dans l'opposition hein, qui ont des intérêts contraires par rapport à l'intérêt du peuple haïtien. Et journée aujourd'hui à tout le monde commencer well. Dossier ce général là, dossier et l'ONA, dossier ça yo, ce sont des dossiers qui mettaient à nu intérêt opposition. Intérêt opposition, contrairement avec intérêt peuple haïtien. Maintenant, on va dire, tout le monde commence à rendre compte que je ne le dis, que leadership opposition, son leadership opposition qui pourrit, qui n'a pas de résultat. Bien entendu, il n'y a pas de résultat. Pour quelle raison il n'y a pas de résultat? Parce que ce sont des éléments du système. Il fait partie du système. Non. Ou pas qu'à faire partie d'un système et pour dire comme ça que ou à bataille contre le système, c'est quoi cette idiotie? C'est quoi cette comédie? Ce sont des réformistes. Ce sont des réformistes. N'est-ce pas qu'ils ont un seul objectif, prendre pouvoir, et puis il faut comprendre que les arrivés au pouvoir, ils vont réformer qui bon. Non, l'arrivée au pouvoir, vous allez faire en sorte à ce que vous conservez, protégez, interrogez, mais ce qui ont quitté la bataille pour lui, et ou instrumentaliser le peuple haïtien, ou voulez que bagaille, parce que l'objectif premier de l'opposition haïtienne, c'est la conquête du pouvoir. C'est pas l'objectif premier, c'est la conquête du pouvoir. C'est pas la conquête, c'est pas ce qu'on appelle le renversement du système. Faut ta sorte dernière classe pour ta penser que Negio c'est une intention chambard de système. Faut ta imbécile dernière classe. Faut son idiot dernière classe pour ta penser que Negio opposition yo, que intention
ou bien gen objectif pour yon chambre de système. Parce que tu me dis non ti bagay bien. Là dit chambre de système, rebat kata, chambre de système nan. Tout moun a parlé de régime politique nan. Régime politique nan changer constitution, vle dit que système nan chambre de, c'est ça? Régime politique nan vle dit que système nan changer, changer constitution vle dit système nan chambre de, c'est une idiotie. La sphère politique c'est un élément de système. Maintenant faut aller dans base système nan, ça te kembe système nan. Qui c'est régime économique là? Maintenant il faut des hommes solides pour attaquer. Je ne dis à opposition, dis à bataille pour peuple. C'est quoi le peuple? Mande nèg opposition, c'est quoi le peuple? Il faut pas partir du peuple haïtien. Le peuple haïtien, ce sont ceux et celles qui subissent le pouvoir. Sur qui le pouvoir est exercé? Quand je parle de pouvoir, je ne parle pas seulement du pouvoir politique, mais je parle aussi du pouvoir économique et pouvoir social. Maintenant seul le peuple haïtien est victime. Maintenant, si on n'est pas en position de pouvoir, vous n'avez pas les moyens nécessaires, ou pas les capacités intellectuelles, ou pas faire partie de cette élite sociale qui, normalement, mette en place un système pour être capable d'exercer une sorte d'hégémonie sous deux peuples haïtiens. Qu'on n'y a pas le propre idiotie, eh bien, c'est ce que je suis en train de dénoncer. Et c'est à faire grand pile individu et mal intentionné qui pensait qu'il allait attaquer. Vous êtes fou ou malade? Les ma bataille pour que j'aime. Vous êtes même qu'on est sous tes cafés. Vous ne pouvez pas même maîtriser les ABC du bataille. Une bataille dialectiquement. Avec la dialectique des âmes, bataille aussi avec la dialectique. L'âme dialectique. Ou pas qu'il y a un point imbécile. Tu m'expliques non, bagay. Est-ce que Jovenel Moïse non l'implique dans le dossier Petro-Caribial de juger? Oui. Jovenel Moïse doit juger. Est-ce que Jovenel Moïse doit répondre devant la justice pour peut-être non te citer? Bien sûr. Jovenel Moïse doit répondre devant la justice pour peut-être non impliqué dans le dossier, pour le bail des comptes à la justice et pour la justice lui-même prendre les mesures appropriées par rapport avec et donner dossier au gain sous monsieur. Maintenant, en le fait que maintenant une bataille pour les peuple haïtien, pour récupérer l'argent Petro-Caribe à te gaspiller, qui gaspille, quel que soit côté monde, te mette là, te gaspiller l'argent, pour restituer ça, pour faire reddition des comptes. Yo. Maintenant, on pense à la position. Pour aussi injuste dans des démarche, pour me dire aussi, pendant ce temps, faut dossier ce gêne là et traité par rapport avec peuple haïtien qui a pédé des jeunes blackout chaque jour. Faut dossier on a traité par rapport avec un dal agrément dans la classe politique là qui a les calçous. Tu m'expliques nous bien nous pas comprendre. Ça veut dire. Lorsque les gars prennent l'argent dans l'ONA pour yo prêter. Pendant ce temps, majorité malheureuse pas qu'à prêter accès. Ti machin pas qu'à jeune accès. N'est-ce pas prendre l'argent dans l'ONA, y a le prêter. On prend un exemple clair, Reginald Boulos. Reginald Boulos pas prêter l'argent dans l'ONA pour l'investir dans la production nationale, non? Pour l'encourager production nationale, pour relancer l'activité économique au niveau de la... Il prend l'argent, c'est pour l'acheter Nissan à l'étranger pour le vin vendre en Haïti, oui. C'est le commerce qu'il prend l'argent, il met il. L'importation, il met il. Et qui intérêt? À qui ça servit l'économie pays? Ou prend l'argent, peuple là, pour investir, acheter machine à l'étranger, pour venir mettre Nissan dans le pays. Hein? Pour venir nous. Et dis-nous bien. Comme si, pour mon pays, n'a fait. Comme si nous pensions, je ne dis pas, Timmy, là, tout à coup, Reginald Boulos, pas l'effet campé pour la bataille, contre le régime en place, contre le pouvoir, juste parce que l'envie fait ça. C'est une absurdité totale. Depuis qu'il est négocié, simulacre en Haïti, t'es qu'on prend la rue pour manifester ou bien pour lever contre un régime pouvoir, si ce n'est que intérêt qui menace. Si ce n'est que intérêt qui menace. Et moi, dis un bagage là qui est extrêmement fort, pour un pile d'amis, un pile monde, capitaine dit. Genèg mouk bay consultation fruit. Ok, yo continue, mouk bay consultation fruit, ne bata opposition. Ne bata nèg yo tap mené. Parce que m'di, au départ, m'di pensé que mon travail sérieux qui t'a fait. Maintenant, position, c'était clair par rapport avec ce qu'on appelle et reddition des comptes Petro-Caribe. Maintenant, vous remarquez qu'il y a des dossiers qui sont beaucoup plus solides, qui pesent de même ampleur là que dossier Petro-Caribe. Maintenant, c'est vrai, si nous n'avons pas la justice, nous n'avons pas la justice à moitié. Nous n'avons pas la justice à moitié. Il faut nous clair sur le dossier, il faut nous clair. Écoutez, il faut nous honnête, il faut nous sincère dans la bataille. Nous pensons que c'est la première qualité, un homme qui a bataille doit gagner la carrière. Ou pas gagner des balances. Et pas parce qu'on est en bataille avec l'opposition, ou bien on a une expectation que si l'opposition prend le pouvoir, on prend le bon petit job. Ou pas de courage moral pour dire que l'opposition, vous voyez caca. L'opposition, vous voyez caca dans tout sens.
Son dal bluff, son dal menteur. Yuri la quand ils sont menteurs. C'est son vieux rat qui compte système non bien. De par carrière militaire liée politique, li, c'est un vieux rat du système. Li gen des acquaintances politiques. Quand l'on brite, li marie à système non. Ou bien tous ces hommes de la classe politique traditionnelle qui kebe le pays en otage. Yo gen des intérêts mesquins dans le système non. Qui fait que le système n'a pas capable de chabadi. Maintenant, posez-vous la question. Pour qui raison yo valé jeunesse haïtienne dans la bataille? Ti monsieur, nous pas complice yo. Ti monsieur, ti mesdames, nous pas dormi yo. Yo valé yo. Pour qui raison? Parce que ces jeunes-là, yo font une erreur stratégique majeure. Ils font une alliance. Ils font une alliance avec l'opposition haïtienne. Et c'est là le problème, Nabozi. Il y a une composition qui était claire au départ, qui consistait à dire tabula rasa, chambarder le système, y compris la classe politique traditionnelle, y compris l'opposition, il faut renverser les choses, il faut établir une nouvelle société, un nouveau système qui fonde sur justice économique, avec pour objectif de nouvelles têtes, de nouvelles classes, une nouvelle classe d'hommes qui est calibre colonne vertébrale, qui l'a pour faire justice établie sur une série de dossiers. Non! Qui ça ti monsieur, ti mesdames, ça ou nous pas dormi, nous pas complice, et ça ou fait, yo quitté l'opposition, classe politique traditionnelle la breyo. Eh bien, quel est le résultat? Quel est le résultat? Quel est le résultat? Quel est le résultat? Parce que c'est une question, c'est même jeu ça, c'est un jeu. Et c'est un jeu, c'est un jeu qui concourt à épée à double tranchant. Depuis pas qu'à honnête ou intègre avec prise de position initiale, y'a même mec qui te zambim. Qui te contre bataille avec moi? Qui proposition contre moi? C'est tout à fait normal parce que moi-même, je suis conséquent à la position. Et position, je suis clair sous lit. Je suis écrit. Non, je suis proposition. Première note de presse, je suis sorti. Je suis écrit. Non, regroupement Petro Challenger. Je suis écrit noir sous blanc RPC. Qui ça me dit? Je me dit que c'est tabou la raja. Tabou la raja, je me dit, j'habille le système. Un, je me dit, il faut que nous t'apprenions le départ de Jovenel Moïse. Un, c'est ça, première étape là, prenez le départ de Jovenel Moïse. Deuxième étape là, accoucher au gouvernement de transition. Notre gouvernement de transition, ni président, ni PHTK baladon, ni opposition, ni opposition baladon. Ce sont, nous sommes d'accord pour que c'était des hommes neufs, des hommes neufs, des hommes qui ont au moins un minimum de réputation dans la société, qui ne sont pas jamais impliqués dans le dossier chaud, ne sont pas cités dans la pièce dossier. Au moins, nous avons fait, peu pas ici, nous capable de faire un crédit. On prend des hommes qui ont un minimum de crédit, qui n'ont pas des intérêts mesquins, qui n'ont pas des codes lombriques qui sont attachés avec ancien régime, ancien système. Non. Et puis nous dit que, à troisième, pour y venir avec des réformes, pour chambarder, pour des réformes agraires, qui allaient dans le sens, bien entendu, de rétablir ce qu'on appelle la justice économique. On va dans vieux discours, mettre dame rusée, qui consiste à dire, oh oui, justice, n'est-ce pas, parler de justice sociale. Justice sociale, tout le monde connaît son notion bourgeoise liée, son game liée. Madame Rousse, mesdames et messieurs. Parce que justice sociale, vous dit que c'est l'État qui va corriger les inégalités. Maintenant, pour l'État corriger les inégalités, il faut que l'État prélève, bien entendu, de la part de sur la bourgeoisie. Mais il ne pas remettre en question le régime économique. Maintenant, tout le monde a parlé de régime politique là qu'il faut changer. Il faut nous changer la constitution. Il faut nous cesser là, la constitution du pays. Oui, il faut changer la constitution du pays. Hein. Ça, c'est la politique. Ça, c'est la sphère politique. Ça, c'est le régime politique. Mais que s'agissant du régime économique, qui c'est sous vrai problème dans le pays, hein? Tout le monde était bec et là-dedans. Classe politique, là, ferme Jolie là-dedans. Tout le monde ferme bouchon là-dedans. Parce que pour qui raison? Parce que, pas oublier, c'est même régime économique ça qui a financé ni médias. Qui a financé ni médias. Qui a financé classe politique là. Parce que, next à yo, ça vous fait le régime économique bourgeoise là qui existe en Haïti, hein? Capitaliste sauvage là qui existe en Haïti. Hein? Parmi lesquels ou bien, y a une économie d'importation qui existe en dedans. C'est bourgeois là, ça au fait. C'est eux-mêmes qui ça ou les kingmakers. C'est eux qui décident qui est-ce qui pourra le députer. Qui est-ce qui pour sénateur. C'est eux financer et campagne électorale, négio. Et là, les classes politiques, ça ont monté, rivé au timon des affaires de l'État. Y a signé tout bel contrat qui te gagné par vacabon ça ou. Et puis, eux-mêmes, ils ont sorti avec Tiffeytol, ils ont sorti avec des trois motos, ils ont sorti avec 100 000 dollars américains, ils ont un petit bout de visa. Parce que ce sont des hommes illettrés, des hommes sans conscience, des hommes dépourvus de conscience. Ils ont juste 600 euros et puis ils n'ont pas un système. Non. Et c'est ça qui fait que les gens ont des problèmes. Les gens ont des problèmes avec eux.
n'a toujours qu'un problème avec eux. Parce que ce sont la classe politique traditionnelle, ce sont des parasites, ce sont des groupes nègres, c'est gardien système dans eux. Maintenant, ça me t'est proposé. Nous dit faut éliminer tout nègre. Éliminer dans le sens que c'est pour retirer dans la sphère pouvoir là. Et puis la jeunesse montante, la jeunesse consciente, jeunesse qui comprend, qui t'a subi et malversation, qui t'a payé coup cassé et groupe nègre ça yo. Next système ça, c'est pour jeunesse ça maintenant, ériger lui, vous comprenez, à partir d'une vision commune pour accoucher une nouvelle société qui juste, qui équitable, côté que tout le monde capable bon chance, même petite soit là qui a une possibilité pour arriver à quelque chose. Mais maintenant bon l'esprit de clan cap dominer l'opposition. Maintenant de pour pas prendre position pour Yuri la toti Jol Bokier ou pas proposition pour être André Michel Tibougon Rassi mettre dame ça ti vicieux ti rusé ça ou pas prendre position pour Evalier Beauplan des vieux rats de la cadre requins de la classe politique traditionnelle ou pas proposition pour yo comme si qu'on y a ou c'est pour PHTK fuck PHTK pas besoin PHTK gagne gavin de oui oh la voisine ou gagne la jeune job c'est là écoutez je suis formé mal l'école m'étudier. Je ne peux pas étudier pour ça. So, je ne peux pas étudier pour le pays. Je n'ai pas besoin d'approbation dans mon petit mode de fuck pour m'aller pour me servir le pays. Je n'ai pas besoin d'approbation dans mon fuck pour me battre. Je bataille jusqu'au bout. Je ne peux pas battre à demi. Tout le monde qui connaît ça, qui connaît, depuis ma bataille, je bataille jusqu'au bout. Je ne peux pas battre à demi, je ne peux pas battre à moitié. Je ne peux pas dire un bilan négatif de la part de leadership opposition. Ne doit accoucher ce qu'on appelle un bilan négatif. Yo, dis-nous bien, dans pays sérieux, si nous disons faire pays vrai, comme si nous pas prendre leadership opposition pour nous rendre responsables de cause peuple là, yo gaspiller. Nous pas prendre leadership opposition, nous pas prendre Yuri pour nous mettre responsable, nous pas prendre et Valier Beauplan pour nous mettre responsable, nous pas prendre comment il s'appelle là et André Michel pour nous mettre responsable pour nous faire deux pays lock. Pour jeune garçon, jeune femme qui perd la vie, et puis qu'on a nous toutes pensé que nous parlons, tout le bagage pour retourner dans la normale, nous parlons négocier avec Jovenel Moïse, nous parlons former au gouvernement, et puis tout le bagage vini normal, comme si c'est rien n'était. Jeune garçon, jeune femme qui perd la vie, comme si c'est rien n'était. Comme si c'est rien n'était. Pas qu'on leçon qui prend le tracé sous vagabond ça, pour suspendre l'ancien dans Figimoun. Comme si tout le monde va craser bois, il va l'accepter, oui, ok, bilan pas fait, nous pas accoucher résultat, c'est normal. C'est normal. Ces individus n'ont pas contre bataille. Ils ont pour un peuple, des jeunes. Ils ont exploité naïveté population haïtienne. Hein? Ils ont exploité insouciance peuple haïtien. Hein? Ils ont exploité ignorance jeunesse haïtienne. Hein? Ils ont mis dans le front de bataille. Ils ont même qu'à recevoir cartouche, ils ont même qu'à recevoir balle, ils ont même qu'à perdre vie. Ils ont fini la guerre. Vie ont pété, fiel ont pété. Et puis, s'attendez à là. Pour jeune garçon, ça a perdu vie pour pas, et pour ou pas, bah, résultat. Pour jeune garçon, ça a perdu vie, jeune femme a pris cartouche. Bah, nous, exemple. En plus, le monde va comprendre. T'as des petits journalistes là, y'a mettez au devant. Journalistes, n'a relé l'uni, c'est là, whatever the fuck it is. M'a dit, non, radio Zénith. I don't give a fuck about that. Qu'on y a, pour dire que ça, journaliste, ça, lui, t'as fait tout terrain, ça, à bataille. On jeune femme liée. Il fait tout terrain. La couvre toute manifestation. La couvre tout ceci. Balap tire bon côté. Balap tire en haut. Balap tire en bas. Li en haut. Li en bas. La préporte. La bataille. La ceci, c'est là. Et puis qu'on y a là pour bataille. La pas foutre bas résultat. Et puis qu'on y a pour nous prendre journaliste. Pour nous quitter journaliste ça comme ça. Et pour que journaliste s'arrête. La garder tout le monde. Fuck. Qui t'a mené bataille là dans le jeu. Et si mon zé te foutre pour un cartouche qui te perdit ville. Qu'on y a tout jol bon. Qui est? Yo bay pour opposition, t'as pas vu une camper. Oh oui, t'as pas vu une proposer faire gros discours sous ville. Bon bluffeur, c'est ça va montrer nous comment est un menteur. Ce sont des bluffeurs, des menteurs. Ou qu'on n'a pas qu'à bailler résultat, ou aller dans la bataille. Ou qu'on n'a pas qu'à aller dans l'armée. Ou pas qu'on est timoun pas rentrer dans l'armée. Ou qu'on n'a pas qu'à bailler résultat, ce sont des menteurs, des bluffeurs. Ou qu'on est là, quand t'es qu'à mener une bataille à la vraie oui. Maintenant, il y a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ils ont animé. Les réseaux sociaux, ce sont des sources inépuisables en matière d'information. À la minute près, ou qui te compte qui s'est passé. Ce sont les réseaux sociaux qui exposent une série de nègres. Je ne dis à côté, si côté moun te ka connaît que Yuri la torti te utilisé maman pour te prêter l'argent dans l'ONA. Si je vais dire les réseaux sociaux, côté je ne dis à nous ta compte ça ou les presse indiquée.
pas dit que son gros terme technique lié, oui. Son gros terme technique lié, oui, en droit. Et faut faire ça où elle est droit public droit des affaires, oui, pour comprendre terme technique ça. Je ne dis pas qu'il y a des gens qui t'ont pour nous connaître que l'ONA, écoutez bien, c'est un tort, oui, n'est-ce pas, à l'ONA. C'est un tort, n'est-ce pas, fait avec l'agent peuple haïtien. C'est un tort. Et qu'on y a pas une dîme, je ne dis pas un discours pour contre PHTK, ou prêt pour l'appui de PHTK, fuck PHTK. Oui, d'accord, ou prêt pour l'appui de PHTK, parce qu'on a l'opposition. Mais soutenir l'opposition pour le peuple là, ou pas penser ni PHTK ni opposition, ou tout bien contre pour yon avec le peuple là. Ou pas dire bataille peuple ou mener, qu'est-ce que foule là? Qu'est-ce que mettez ou pas créer amalgame dans l'esprit peuple haïtien, dans l'esprit moun qui pas contre l'inek, moun qui sort, moun qui parle l'école? Ou pas confondre terreau avec intérêt peuple là? Nan qui, ok, nan qui sens intérêt sojene te avec intérêt peuple là? Peuple là, c'est l'hypothèse comme d'une courant, ou pas défendre intérêt sojene, ou pas défendre intérêt Yuri la tortue, non, on a! Qui prête l'argent et pendant ce temps masse peuple qui dans cité so qui dans Matissan qui dans cap vend machin qui fait Saint-Domingue c'est si c'est là pas ca jeune prêt en dedans Luna et puis youri la toi tu as jeune prêt pour maman youri la toi tu as fucking jeune prêt pour maman comme elle est là Reginald Boulos a jeune prêt combien millions de dollars 700 combien millions de dollars pour la lâcher machine à l'étranger pour venir mettre en dedans pays d'Haïti et puis pendant ce temps ou même jeune garçon jeune femme ti malheureuse, ti petite soyette, machin Sarah, pas qu'à jouer prêt en dedans l'ONA. Nous parlons son bagay bourgeois, élite qui t'a réglé, qu'on y a ou même tête baissée. Tête baissée, et pour, parce que partisan opposition, oh, parce que partisan ou bien acquaintance, y'a une opposition au four, et propose au quête vieux job, vicieux, mesdames, et pour comprendre, parce que y'a ou avine propose, les mouns pour critiquer opposition, hein, opposition. Fuck opposition! Fuck opposition! Fuck leadership opposition! Bataille là, c'est une bataille peuplier! Tout bataille peuplier, n'a pas une confusion, nous de créer amalgame dans l'esprit peuple là, pour ne pas confondre opposition avec peuple là. Non, pas de monde qui sort, tout le monde compte ça qui peuple là, tout le monde compte ça qui opposition. Opposition sont groupe mesdames vicieux liés. Opposition tout le monde connaît. Majorie Michel, Deradje Saint-Simon, et comment on est l'autre mode fucker, Evalier Blopin, Nené Tassi, et André Michel, et comment on est l'autre vicieux. Youri là, tout le monde connaît ce bloqueur, oui. Tout le monde connaît ce mesdames, oui. Tout le monde connaît cette classe politique traditionnelle là oui. Tout le monde connaît. Quand on va venir confondre ça avec peuple haïtien, on va venir confondre, on va venir dire oui, tout le monde a venir oui, c'est bataille peuple haïtien. Non, et pas bataille peuple haïtien. Bataille peuple haïtien, c'est le peuple haïtien contre le système. Mais ça ce sont des individus, des éléments du système, des individus du système, n'est cap défendre intérêt yo, on est dans le système non. Et moi dis non petit bagaille. Si pas de conflit ça entre opposition avec PHTK. Jeunesse haïtienne avec peuple haïtien pas d'apprendre dans qui ça ou te prend là non. Si pas gagner conflit ça en opposition avec PHTK. Et m'a pas dit si tout jeune garçon journée jodi avec toute jeune femme qui a regardé jodi là. Faut faire très attention. Avec un individu qui est extrêmement dangereux dans la société haïtienne là, il y aurait le Reginald Boulos. Ce type est extrêmement dangereux. Bon, ouais. M'te gagne opportunité pour me côtoyer quelques d'autres individus dans la bourgeoisie haïtienne là. Tant pour André Apet Junior, tant pour Charles Becker, tant pour Netsa pour nous avant 2004 pour nous individu ça. Depuis l'homme qu'on a bataille avant face avec le régime Laval, ça me dégage de comprendre individu, mentalité, l'esprit Netsa. Netsa a fait une voie Aristide d'aller. Netsa a monté au timon des affaires de l'État. Ils ont établi, ils ont mis un gouvernement de transition qui te gagne comme premier ministre Gérald Attatu. Youri Attatu vient arriver en dedans et primature, il fait saler. Et d'autre part, bourgeoisie ça, réfractaire, réactionnaire ça, même bourgeoisie ça te voit Aristide Aléa, yo profite pour bénéficier de toute franchise douanière qui te ka gagné sur la terre, en dedans pays ya. Toute franchise douanière net qui te ka gagné. Yo récupéré tout l'argent, yo te investi dans voyer Aristide Aléa. Nan fait manifestation, nan fait bloquer l'école, nan ceci, nan cela. Maintenant ça nous comprend. Nous pensons que journée jodi an, net bourgeoisie ça ka financer l'opposition haïtienne nan, ka financer manifestation haïtienne nan, yo besoin pour système nan chambade. Non, y'a prétend que Jovenel Moïse allait et puis pour arriver au timon des affaires de l'État et puis qu'on y a pour reprendre franchise douanière, pour y reprendre contrat yo, pour y protéger intérêt mesquin yo et puis même système Jolbo qui est pesé sous ça après continuer reproduire tête yo. C'est ce que Pierre Boudieu, moun ki pa kon li relé dans livre à la reproduction des élites. Cette bourgeoisie haïtienne ni capacité extraordinaire pour lui reproduire tête li.
Cette bourgeoisie haïtienne qui a une capacité extraordinaire. Et ceci depuis là nous prenons indépendance, nous, y a une capacité ça à la caillou pour reproduire tête. Y a toujours reproduit tête. Yo. Yo, on way, yo façon d'une autre produit tête yo. Et yo toujours fait avec yo alliance stratégique souterraine que yo fait avec la classe moyenne, classe politique traditionnelle là, classe moyenne. Jounen jodi an nèg a parlé de mandat. Youri la tanti, tout nèg a dit yo pa quitter mandat. Écoutez bien, qu'on a tout monde pour, tout monde comprendre jounen jodi le peuple haïtien sauf sous ta imbécile dernier classe. Pour comprendre que et pas bagaille peuple t'a réglé. Nèg a tout comme ça yo défendre. At least nous avons respecté ce jeune homme là, comment il s'appelle là, et Kato. Kato dit que ça, oui, bon, moi-même, je l'ai pied. Je l'ai pied parce que je ne suis pas dans ça. Alors, moi, ou quand même, son minimum de crédit, il est vrai que monsieur Ogourou, ou quand comprendre que monsieur Gonse des bagailles, au moins, c'est celle qui a eu courage pour te mettre à nu, dénoncer question et visa ambassade américaine. Il y a quelques exceptions clés près, il y a des dedans, ou quand considérer, ou quand faire des considérations pour eux par rapport avec de prise de position. Mais Gondal n'est pas bloqué, oui. Bon, dans le groupe, c'est mafia tout fait, oui. C'est seul bagaille qui n'a maillot, c'est derrière pouvoir. Tout le monde connaît bien derrière pouvoir. Il y a une proportion de gauche, oui, qui bon. Qui gauche? Il y a une proportion de gauche. Dans qui pays? Dans le pays sous-développé en Haïti, il y a une proportion de gauche. On fait alliance avec la bourgeoisie haïtienne. On travaille pour Dimitri Vob. On travaille pour Reginald Boulos. Et pour venir dire que ça, c'est de gauche, oui. Dans qui pays ou de gauche là? Dans qui société de gauche là? Et pour bluffer, on monte. Ou son menteur fini, mon cher. Et puis, quand il y a journée aujourd'hui, le peuple haïtien trouve dans la crasse, dans la merde, petit ou à petit, il y a à l'étranger, et puis le peuple haïtien, petit, il n'y a pas à l'école, et puis nous fait combien de temps nous bloquons le pays, et puis nous pas de résultat, et puis pour le peuple haïtien, il y a regardé nous dans les yeux. Journée aujourd'hui, pour jeunes garçons, jeunes femmes, nous pas dormi, nous pas complices. Journée aujourd'hui, pour y'a camper, pour y'a pas accepté, mon fuck ça, yo, comme si c'était rien n'était, comme si c'est normal. Comme si c'est normal. Yo, bataille la perdit, li perdit d'atset. Bataille perdit d'atset. Hein? Bataille perdit d'atset. Et puis d'atset, tout le monde ok avec elle, tout le monde d'accord, c'est normal. C'est pas faute nèg opposition, yo. C'est pas faute nèg yo. Nèg yo fait effort quand même. Nèg yo bataille quand même. Nèg yo fait. Yo. Bullshit. Faut ta naïf quand même. Avle dit là, nous venons renforcer le pouvoir régime nan, et PHTK en place. Nous venons ba au pistre de plus force. Parce que nous avons des chiens, nous avons des sous-hommes qui ne font pas bataille. Parce que nous avons des intérêts. Ou pas bataille avec les qui ont des intérêts. Ou pas camper bon côté. Ou pas mettre un nec bon côté qui est campé bon côté. Ou pas bataille avant. Ou pas mettre un nec bon côté qui a réfléchi. Parce que l'autre dit à la sorte depuis que nous avons réfléchi. Ou pas qu'à qu'un bel bon côté. Nous avons réfléchi parce que nous avons des intérêts. Parce que l'action est limitée. Qu'on a gondal ti de pou proposition pour critiquer et opposition tout nèg a vinn de oui ou vendre cause peuple. Fuck you qui cause peuple pour prendre. Qu'on a pensé qu'à confondre cause peuple là avec intérêt opposition. Hein? Qui est sous fou? Qui moun a fou là? Opposition contre ça ou les peuple. Opposition récupérer le discours populaire, les revendications du peuple haïtien. C'est un comportement bourgeois lié, c'est un comportement capitaliste lié, c'est un comportement réactionnaire lié. Tout le monde est habitué avec ce genre de comportement. C'est un comportement purement élitiste lié. Et puis, aujourd'hui, tout jeune garçon, toute jeune femme qui t'a bataille, n'est pas clair, n'est pas honnête. Quand tout le monde a parlé de jeune homme, Ricardo Fleurido, whatever the fuck, il y a eu là, que yo bal machine, yo ceci, yo cela. Mais écoutez, nous disons des bagages clairs. Ça nous te comprend de jeunesse haïtienne. Ça nous comprendre des jeunes haïtiennes, nous pas dormi et nous pas complices. Depuis là, on était choisi à Chita. Depuis là, nèg ça jeune femme nous pas dormi, jeune garçon et nous pas complices, c'était choisi à Chita avec opposition. Nous devons comprendre que yo pas paraître comme alternative, non. On jeunesse qui doit paraître comme alternative pour ou à l'identifier avec la classe politique, non. On propose oui, c'est alliance stratégique ou fait qu'on y aura pas payer coup cassia. Paye ou cassia parce que pas quoi dans cause peuple là. Après qu'on a un seul allié, l'organe en jeunesse là, supposé gagner leur bataille, c'est le peuple haïtien, la cause du peuple haïtien. C'est là dans qui cause ou. Mais on pas cap marrer contre l'ombre tout, al chita nan, comment yo rele là, al chita nan mariotte avec classe politique traditionnelle là. Nèg classe politique traditionnelle, l'opposition tellement intelligent, yo comment pour yo récupérer bataille là.
dossier a, yo récupérer jeunesse là à travers une structure et nous pas dormi, yo récupérer cause peuple là comme jeunesse à travers une structure et nous pas complice. Notre alliance stratégique, notre alliance mesdames, notre alliance rusée, parce que ti leadership, leadership jeunesse là, yo pas de vision vraie. Nous pas dormi yo doit défendre cause. Yo pas de vision vraie. Yo pas de position claire vraie. Mais journée jodi an, yo pas de courage tout. Pour critiquer opposition parce qu'on est en rentré ventre la donne ou faire alliance la donne ou pas de courage ou perdre liberté de critique ou perdre liberté de penser ou perdre liberté d'action parce qu'on fait des alliances stratégiques ou fait des alliances sulfureuses, des alliances malhonnêtes contre le peuple haïtien. Qu'on y a qui ça peut passer vérité à échec là, l'échec ou pas accuser opposition seulement comme qui échoue dans la bataille là ou la donne tout. Nous pas dormi, nous pas complices, nous tout fait partie de l'échec là, l'échec là, les collectifs, bilan collectif. Si nous te gagnons recul pour nous connaître que nous pas supposé entrer dans l'alliance ça, nous te supposé rester comme dernier rempart bataille là pour les classes politiques ça a échoué, de quoi pour nous prendre la relève, pour nous réparer tête nous, pour nous paraître avec plus force, plus énergie, pour peuple haïtien te plus confié, nous-mêmes jeunesse ça. Comme alternative avec classe politique, des propositions, ça a été bail depuis bien avant. L'aime commencé à proposition. Mais ils ont monté sur les réseaux sociaux. On a le vice sur volet. Ils ont monté sur les réseaux sociaux. Ils ont tout levé. Oh, non. Oh, la voisine va faire 10. Oh, la voisine date. Oh, ils ont tout levé. Mais position m'était claire depuis au départ. Et position m'a toujours été claire. Tabou la rasa, l'teye. Tabou la rasa, c'est le peuple contre le système. C'est pas l'opposition contre PHTK. C'est le peuple qui a une grande différence. C'est le peuple haïtien contre le système. L'opposition et PHTK yo gen intérêt yon dans système nan, yo pa vle système nan chaviré. C'est seul le peuple haïtien et la jeunesse haïtienne qui capable chambader le système. C'est telle a été ma position dès le départ. Et si on moun vle al vérifier al garder notre de presse mwen te sorti nan RPC, nous te clair, nous te dit voye Jovenel aller ces premiers bagages sans condition, former un gouvernement et pour assurer gouvernement ça doit gagner 109 là dans tout monde qui là dans c'est monde clean, monde propre, monde sans tache, nous pas mélanger ou pas prendre 20 propre pour mélanger avec 20 et 20 ou pas prendre 20 sale pour mélanger avec 20 propre, 20 clean, 29 ou pas faire caca comme ça. Soit bataille neuf, bataille avec monde neuf, pas bataille avec monde qui sale, monde qui gagne temps mais au trempé, monde qui gagne zan au carreau fèvre. Pas bataille à foutre la gueule quand même parce que intérêt ou c'est intérêt mesquin ou rien dans le système. Nan. Maintenant, bon danger cap monter là. Individu ça ou l'original Bolos là. Ce type là, moi assurez-nous, si nous pas prendre des mesures, si peuple haïtien, jeunesse haïtien, pas faut coalition pour attaquer monsieur de front. N'a pas tombé dans une situation qui pi mal après 2004 qui était faite là. N'a pas tombé dans une situation qui est extrêmement pi mal. Parce que monsieur Gon travaille, il a un agenda bourgeoise, il a un agenda et mulat que le pral met en place. Et objectif, monsieur, c'est utiliser naïveté, ignorance peuple là, pour conquérir le pouvoir. Parce qu'il commence un travail pour le dégrader classe politique là, et puis il veut paraître tête comme sauveur. Et puis il oublie que c'est lui-même qui t'a promoté, c'est lui-même qui t'a financé classe politique là pour une campagne, c'est lui-même qui t'a fait publicité pour vous. Maintenant, je vais passer comme sauveur. Ce serait une aberration totale. Comme le peuple haïtien, son peuple qui surtout yo pas yo gen mémoire courte. M'ba di nou pou mon état avec nous. Gen moun ki pa comprendre. M'ba di nou ti bagay. Ouais, tam dal nan original Bolos. M'ba di nou ça sincèrement. Tem dal nan Reginald Boulos, yon seul bagay mwen di, a ti piti yo bay pou, yon jeune garçon yo bay pou, bay monsieur. Mais vraiment son adversaire qui était toujours en face, mwen toujours en face li. Ou est-ce que nan Reginald Boulos? Monsieur gon comportement rusé, monsieur gon comportement mesdames, monsieur pas prend responsabilité pour pièce bêtise li fait. Monsieur son nèg, mwen kapab di ou comme si, son individu, li connaît bien contribuer dans le système dans janvier là. Li connaît bon part de responsabilité là-dedans. Mais elle pas prend responsabilité pour lui. Et puis il a audacité pour le passer peuple haïtien en bêtise. Il a audacité qu'on y a pour la. Comme si, t'as montré qui prenait pas respecter peuple haïtien.
Yo pas respecté moun haïtien, nèg yo pas respecté haïtien du tout. Yo prend nous pour chien. Nèg la fin fait tout caca ça, li met Jovenel au pouvoir. Yo fin fait tout mal propre ça. Yo volé là, yo prend l'argent Lona. Yo gaspillé. Et pour qu'on ça gagne, li gen audacité pour le paraître tête li, pour le présenter tête li comme sauveur en dedans pays a même système nan. Et puis objectif, motivation cachée li. Intention cachée li, c'est reperpétuer kembe système nan pour petite fille ka étudier qui t'a étudier et comment relé là et Columbia University konya ki baga la pour venir tourner dans pays a venir kembe même système nan encore venir reproduire la travail pour petite li reprend la relève bon méchant bon criminel bon assassin yon jeune garçon qui pas voyager yon jeune garçon qui rete en Haïti seulement pas gen alternative pas gen exit yo pas bon opportunité ou pas en haut pas en bas. C'est normal pour plier en bas griffe nek sa yo. C'est normal pour ou Reginald Boulos comme un sauveur parce qu'ou pa gen exit. Ou pa gen alternative, ou pa ou en haut, ou pa ou en bas. Nek sa ou installé quoi ou kan kou sel sauveur. Te kou sel roi. Tout ça ou fait, you get away with it. Tout ça ou fait, tout caca ou fait, tout mal propre ou fait, you can get away with it. Vous comprenez? So basically son pays qui gon son pays capable d'ou individu sa yo. Ce sont des éléments dangereux pour un système et pas des pièces nèg qui gen courage parce que yo contrôler média yo pas un journaliste qui gen courage pour remettre en question comportement nèg ça parce que yo contrôler média yo contrôler qui ça opinion publique a dit qui ça et média yo a parlé c'est yo décider de qui ça média que ce soit radio Caraïbes radio et radio vision 2000 radio métropole toutes ces bullshit toutes ces radios traditionnelles système nan toutes ces médias traditionnels système nan ou imagine au journée jodi a nous connaissons des dossiers c'est grâce avec réseaux sociaux. Vous avez des dossiers, nous connaissons grâce à réseaux sociaux, qui fait bataille là pour l'autre dimension. Quand il y a journée aujourd'hui, côté où t'as pas le vin à dossier, côté où t'as pas le vin à dossier, et pas dans tes radio, c'est temps nous t'attendons nèg, ça journaliste traditionnel, y'a t'as pas le vin bas nous dans radio, dans télévision pour nous te considérer comme vérité. Et on nous t'as pas le considérer comme vérité. Et on nous t'as pas le prendre comme vérité. Maintenant journée aujourd'hui, ou cas balancer information. Ou ka balancer information, l'on nèg di on bêtise, on journaliste bon bêtise, ou ka faire recherche sur internet, ou ka google, ou ka recueillir des données, ou même pour faire propre jugement pour faire propre évaluation pour tirer propre conclusion pour. C'est ça l'esprit critique. On y a mon a vinn bon mal gam a vinn di depuis mon cher, gardez, ouais pa gen moun ka vinn fè m confuse. Opposition rete opposition. Opposition pa pep. Pep rete pep. Nèg opposition son dal rat volé ancien a tout fait. Pas gen moun ka vinn pran moun pour macaque et si on nèg ou gen problème à ça courir sur moi et position claire moi-même m'après dit nous ça moi-même position claire c'est le peuple contre le système c'est peuple haïtien contre système nan tabula rasa aldoyé pour établir une nouvelle société qui fondée sur justice économique m'a parlé de justice sociale justice économique faut y rebattre quatre là faut y rebattre quatre là à zéro et faut aller racine problème nan qui c'est question injustice économique que peuple haïtien n'a subi que population haïtienne n'a subi journée aujourd'hui et ça me tape bien si on ou gain problème avec ça j'a fait qui gado mais moi même c'est prise de position pam et ça c'est position pam depuis au départ c'est position militaire l'a toujours été position pam on pas rester avec pièce vacabon et PHTK on pas rester avec pièce vacabon il y aurait opposition vicieux volet ça relé André Michel tête pété tu vicieux ça ni ou il a quand tu mort fucker tout nèg ça Reginald Boulos on pas rester avec pièce mort pour que ça. Moi-même, position PAM, ma position pour tabula rasa, pour peuple haïtien face à un système, pour voir l'aller. C'est pour peuple haïtien pour destin en main contre système. Il n'y a pas de faire confiance avec pièce opposition, ni régime en place, ni pouvoir en place. Démocratie a doré en dedans peuple haïtien. C'est nous-mêmes qui pour prendre destin en main. Pas qu'il y ait pièce volée qui a intérêt en dedans système. Vin utiliser nous pour nous perdre vie, nous, pour nous mourir, pour la vie nous exposer. Et puis pour eux-mêmes, pour eux faire capital politique. C'est une erreur grave liée. Et m'a continué bataille dans le sens PAM. Il y a un monde qui n'est pas d'accord. Ponte tout. Il y a un monde qui a un problème avec moi. Bataille m'a mené. Al fout ponte tout. Et moi, je dis ça. Al ponte tout.